Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine ? À affronter l'inconnu ? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Contente d'être montée, Lara. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon. Pas de geste brusque, hein. Qu'est-ce que ça souffle ? Faut surtout pas qu'on s'arrête ! Tu sais, même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Wow ! Attention ! Est-ce que ça va ? Ouais, on va y aller doucement ici. Toute seule!
je saute. Ouais, c'est ça. Maintenant, prends ma main. Je te tiens. Fais chier, Lara. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, viens. Va bien falloir qu'on passe. Pas mal. Si dans ce gâte, on pourra toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos. Mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Cacher une ville tout entière, je choisirais un trou paumé comme celui-là pour le faire. J'espère que les Trinitaires n'ont pas été plus rapides que nous. La tempête se rapproche. On n'a pas plus de 2 heures devant nous. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Qu'est-ce que t'en penses? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ça m'a l'air solide, mais reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais, t'es prêt? Allez, c'est parti. C'était moins une.
Tu peux sauter ? Bien sûr que je peux ! Oh putain ! Je crois que je vais pas pouvoir le faire ! Bouge pas ! J'ai fixé une corde pour toi là-haut ! Ça marche ! Je vais te donner un peu de mou ! J'aperçois les ruines. Merde. Je te tiens. Je te tiens. Lara. Est-ce que tu m'entends? Oui. Attends, je vais te remonter. Oh putain. Là. Regarde là. Vite. Balance-moi vers l'autre côté. Ok, accroche-toi.
nous sont infligées et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Vieillissant, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os, de la poussière. Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Désolée, je t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non! Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie? Oh non, Lara! Pas ça! C'est de la folie pure! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. On est en zone de conflit.
J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la milice locale. Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ils étaient pas censés nous canarder! Sortez-nous de là! Merde! Oh non! 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 L'échappatoire. C'est là, quelque part. Il me semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait caché dans les falaises au-dessus de l'une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Je le savais bien. Une icône religieuse. Très détaillée et incrustée de pierres précieuses. Byzantine, je dirais. Elle doit dater du 10e siècle. Ça colle avec la légende du prophète. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Ça a un millier d'années, au moins. Tout coïncide. Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète. Nous y voilà. Papa avait raison.
Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople, injustement exécutés par les membres de l'ordre de la Trinité. On dirait une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. On dirait une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Ok, c'est lui, là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Ça ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. On dirait une sorte de carte. Mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Ça ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. C'est le prophète, en pourparler avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les... Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Une porte secrète. Extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Déjà là, il faut que je rentre. Oh.
Les membres de l'Ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple, sans relâche, jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis cachée. Les membres de l'Ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple, sans relâche, jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis cachée. Un passage. Allez, quoi ? Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'Ordre de la Trinité. Le prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. L'Ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué ? J'étais presque. Ils vont forcer le passage pour entrer.
Il doit bien y avoir un moyen de faire tomber cette vieille plateforme. Ce mur a l'air friable. Il y a de l'eau là, derrière. Je devrais pouvoir faire monter le niveau en cassant ici. Merci, papa. Il faut que je trouve un moyen de grimper. En faisant monter le niveau de l'eau, peut-être. Un autre symbole religieux, mais celui-ci est rudimentaire et fait à la main. Le prophète devait avoir des fidèles issus de toutes les couches de la société.
bon sang. Ils vont réussir à entrer. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète... Maître, je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles, armés et dévoués. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqués sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un, et nous l'avons suivi jusqu'à l'oasis. J'ignore si le prophète a survécu, ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir.
réussir à entrer. Ils vont réussir à entrer. Faut faire monter le niveau de l'eau. Maître, les derniers fidèles du prophète se sont retranchés dans son tombeau. Nous avons monté notre camp à l'entrée et nous nous préparons à attaquer leur barricade. J'ai aperçu l'homme qui prétend être le prophète avant qu'il ne scelle les portes. Et je dois admettre que la ressemblance est frappante. Mais c'est impossible. Ce mur est friable. Je devrais pouvoir le transpercer. Si j'arrive à grimper sur cette poutrelle...
Si j'arrive à grimper sur cette poutrelle... Posez les explosifs. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Let's go.
Qu'est-ce que c'est? Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, t'es... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Jonah? N'essayez pas de nous arrêter! Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Jonah,
si tu peux m'entendre. Tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Il faut que je trouve un abri. Je dois continuer. Allez, tu peux y arriver. Bouge-toi. Ah, un vieux campement. Je devrais le faire. Pas suffisant. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus. C'est assez sec pour brûler. Enfin, j'espère. C'est récent. Pas de quoi manger. Mais peut-être quelque chose d'utile. Me revoilà au campement. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peine fin. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il des rescapés? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Il va me falloir un arc plus solide. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière.
C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les Trinitaires ne seraient pas dans cet enfer glacé. J'espère juste que Jonah est sain et sauf. Qu'il a réussi à rentrer. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. S'il lui arrivait quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule.
J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués, tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines, mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité. Ces ruines, elles sont d'origine mongole. Ces mots ressemblent à... du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Les Trinitaires, ils sont déjà là. Commandement, vous me recevez ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Une couronne d'un des princes de Kiev. Comment est-elle arrivée jusqu'ici? On a eu des interférences dans la dernière transmission. On a perdu le contact avec l'équipe de recherche. Hehehehe.
Lara, toujours pas décidée à entrer par la porte, hein? Mais ça va plus vite par là, papa. Viens par là, espèce de petit singe. Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure? Oui. La plus importante de toutes. À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante. Oh, tiens donc. Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante. Mais ce travail est beaucoup trop dangereux. Lara, écoute-moi bien. Je pense qu'un jour, tu marqueras le monde de ton empreinte. Je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Faut que je pense cette blessure. Ces feuilles devraient arrêter le saignement. Il faut de quoi faire un bandage. D'attendre la guerre froide. Qu'est-ce que le Trinitaire mijote là-dedans? Ça fera l'affaire. Encore des ruines mongoles. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours.
Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfait pour faire du poison. Ces mots ressemblent à... du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Pas moyen de l'actionner. Thank you.
Je ne suis pas prête à affronter l'ours à nouveau. Je vais avoir besoin de plus que ces simples flèches. Thank you.
Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Je vais retourner au campement, voir ce que je peux faire. Faut que je me repose. Je suis gelée, épuisée. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation? Ne vous avisez pas de me menacer, après tout ce que j'ai fait pour... Allô? Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Imbécile! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour... tu comprendras. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre! J'ai juste envie que tout ça s'arrête! Et que tu redeviennes mon papa. Descendez-la!
vous. On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Ils sont pas loin. À vous. La liaison est mauvaise. Ne vous éloignez pas. Il faut qu'on les retrouve avant qu'ils organisent un autre raid. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. Attention, la liaison n'a pas encore été rétablie. Attendez-vous à des interférences dans les transmissions. Prends la radio et essaie de joindre le complexe. Dans leur dernière transmission, ils ont dit qu'ils étaient attaqués. Mais depuis, rien. C'était seulement quelques minutes après avoir croisé les natifs près des ruines. Après ça, ils ont tout fait pour qu'on se déploie. C'était une embuscade. Ils voulaient qu'on s'éloigne du complexe. L'équipe d'Urko avait tout faux. Ils sont pas des paysans. Ouais, c'est une tactique de guérilla. Ils sont directs allés fusiller nos transmissions dès qu'ils ont su qu'on était là. Mais... merde. Il va nous falloir des protocoles de contre-insurrection. Ça va bousculer tous nos plans. Et ça va pas plaire à Constantin. Mais bon, il vaut mieux ça que se faire buter dans le noir. On nous attaque!
n'ont pas été localisés. Ça reste notre objectif principal. Encore là, lui.